Mon rôle, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de biais dans les orientations des jeunes filles pour choisir ces métiers de la recherche, puisque ce qui m'intéresse, c'est attirer les jeunes filles dans les métiers de la recherche en informatique, de manière à diversifier les profils, les parcours et les idées pour arriver à faire plus d'innovation. Parce que le but, c'est de travailler sur la recherche, ce qui m'intéresse, c'est développer la recherche dans les laboratoires d'informatique, et on a besoin de diversité, de points de vue, d'idées, qui actuellement n'est pas, nous satisfont pas. Enfin, la diversité actuelle, en particulier en termes de sexe, ne nous satisfait absolument pas. Et donc, mon but, c'est de changer un petit peu cette idée de qu'est-ce que c'est que la recherche en info, qu'est-ce que c'est que l'innovation en informatique et en numérique, de manière à attirer des profils plus diversifiés pour créer les innovations de demain. On est à 20% de femmes dans nos labos de recherche, donc c'est quand même, c'est non négligeable, mais c'est pas suffisant. Et effectivement, on a un souci, c'est que le nombre de femmes dans les filières actuellement de licence en particulier et d'écoles d'ingénieurs ne va pas jusqu'à 20%. Donc on anticipe que ça va baisser ensuite à cause du désaveu du numérique chez un certain nombre de personnes actuellement. Donc l'enjeu, c'est d'essayer de contrecarrer un petit peu ce phénomène pour montrer que ces filières sont attractives, intéressantes, innovantes et passionnantes en fait.